Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure américaine, bien évidemment sur Far Cry 5, et nous en sommes à l'épisode 9. J'espère que vous suivez jusqu'ici. Chose promis, chose due, on va faire la dernière quête principale qu'il nous reste à faire, c'est-à-dire, bougez pas, je vous montre, ne paniquez pas. On va pas aller au garage, je voulais aller au garage mais finalement non. Le Testival, qui est considéré comme une quête principale, où on doit rejoindre la grange de Hyde. Et ça risque de partir en couille parce que forcément c'est dans les mains des méchants garçons. Et je vous rappelle que le Testival c'est un concours de testicules. On adore les testicules dans le Montana, il faut le savoir. Moi je suis friand de testicules, j'adore ça. Chocolat, voilà, tout ce qui est testicules, c'est un petit peu... j'en lécherai toute la journée, c'est incroyable. C'est dégueulasse, c'est n'importe quoi ce que je raconte, m'écoutez pas les gars évidemment. Bref, c'est le Testival et on doit faire la quête, on n'a pas trop le choix. Ça fait partie, telle est la vie que j'ai choisie, telle est la vie que j'ai choisi de mener, comme on dit dans le milieu. Donc on va traverser tout ça, c'est juste de l'autre côté. Là il y a une petite guerre, hein. Forcément il y a un mec qui essaye vraiment de résister, je pense, de son côté dans sa grange. Et là il doit clairement prendre ce qu'il mérite. Vous inquiétez pas, on est armé, on a débloqué pas mal de petites choses très sympas. Donc on va vider ça très rapidement. Et ensuite, j'ai bien envie... Qu'est-ce que tu fais? Tu tires sur quoi là? Attends, attends. Ouais. Merci, c'est Kazé qui vous envoie. Venez, un de ces putains de vautours a avalé la clé de ma grange. Bon, c'est une longue histoire. Disons juste que j'étais... indisposé. Vous devez m'aider. J'ai du mal à viser une cible en mouvement. Abattez ces vautours. L'un d'entre eux doit avoir la clé. D'accord, ok. Donc je dois tuer quelques vautours au nombre de... trois, il me semble. Pas de soucis. En plus, il y a un petit silo. Lui est mort. Lui, il a pris ce qu'il méritait. Lui, il a pris ce qu'il méritait aussi. Ça, c'est pas mal, ça. Le fait d'être en silencieux aussi. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. On va le fouiller. Bah d'accord, je l'ai. Je l'ai. Ce fut très rapide. Alors bougez pas, bougez pas. Attendez, on part pas comme ça, bien évidemment. C'est un silo qu'on a là. Hop, ça. T'es prêt? Hyde, c'est pour toi, mon frérot. Parce que si c'est le Montana ici pour fêter une fin de mission, on fait tout péter, putain. Allez, ça dégage. Silo détruit. Il s'en bat les couilles, hein. Il regardait pas. Un petit peu déçu, je vous avoue. Petite part de... Ok. Oh là, ça, c'est le début. C'est ça, le Testival? C'est comme ça? Testicule Festival. Ok, jusqu'ici, on a tout suivi. Alors, les gars, YouTube, s'il vous plaît, c'est une mission dans un jeu. Hein, on évite de démonétiser. J'ai besoin de vivre en fin de mois. J'ai une famille à nourrir, putain! Ok, on va y aller. Ah, faut que je rentre tout simplement. Oh, ça sent pas bon, ça. Ça, ça sent pas bon. C'est moi qui vous le dis, les potes. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a maintenant? Amener la remorque du Testival. Très bien. À caser. D'accord, bougez pas. Bougez pas, j'ai un petit doute. Quelque chose m'habite, comme on dit dans le milieu de tout ce qui est Testival. Ok, c'est par ici. Et ben voilà, on est pas mal. Allez, on va amener ça à caser. À Folzen. Et normalement, elle devrait dire, les gars, putain, c'est trop cool. Ça fait plaisir la famille. Grâce à toi, on peut fêter nos grosses couilles. Et ça, c'est une belle fête, bien évidemment. Bref, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, merci. On a l'épisode 8 et oh, vous êtes toujours aussi... Hop, c'est rien. On peut dire qu'il y avait une couille sur le chemin, excellent. Non, vous êtes encore très nombreux à me suivre chaque épisode, déjà 9e épisode. Et franchement, le 8e, vous avez régalé de ouf. Vous êtes incroyable, vous êtes beau. Alors, là, je vais pas en dire plus. Voilà, je l'avais déjà dit le précédent épisode. Mais là, il y a un deuxième qui est un petit peu moins beau. Voilà, on cite pas de nom, les gars, ça reste entre nous. Vous savez très bien de qui je parle, hein, il est dans les commentaires. Il se reconnaîtra de toute façon. On cite pas de nom encore une fois. Mais c'est vrai qu'il y en a deux. Bah, il y en a un, il sent l'oignon. Tu vois ce que. Enfin, il y a quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? On dit pas, les gars, ça reste entre nous. Vous savez que je vous adore tous, hein, bien évidemment. Pas là pour juger, on est bien. Bref, vous êtes des amours, merci à vous, encore une fois. Oh, on va faire attention, ok. Il y a des méchants partout. Donc on va ramener ça à Folzen. Et après on va aller voir le frérot qui est en avion. Celui qu'on avait été voir dans la vidéo où j'avais joué il y a 6 mois à Far Cry 5. En tout cas Folzen a bien changé, hein. Ça ressemblait pas vraiment à ça. Le château d'eau était de l'autre côté de la ville. Comme quoi c'est aussi intéressant de jouer au bêta. Parce qu'on peut voir un petit peu les changements qui ont été apportés. Aucune idée de pourquoi. Attention le chien, j'ai pas envie de t'écraser. Déjà je te mets ce que tu mérites très souvent. Ok. On y est.
Yes. Putain, d'accord, j'ai eu un petit moment de doute. Festival terminé. Ça, bordel, 700 $. 700 doors. C'est énorme. Elle va peut-être nous dire quelque chose, non? Ok, ça c'est autre chose. On a plus de quête. On doit aller libérer un frérot. Un frérot qui fait partie de l'élite qui est ici. Rise and Son Aviation. Frérot. Allô? C'est Nikrai. Les tarés sont à l'autre porte. Je crois qu'ils veulent mon avion. On tiendra pas longtemps. Ok, vous me connaissez. Dès que je reçois une alerte, je ne peux que y répondre, évidemment. Je suis là pour le bien de tous. Ah, attendez. Mais attendez, mais elles sont là toutes mes missions. Dania. Attendez, on change carrément de région là avec ces conneries. Ah ouais, il y a des missions. Il y a déjà des missions dans les autres régions. C'est incroyable. Regardez, il y en a une ici. C'est incroyable. Ah non, 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 on finit ici. Hein. On finit ici, on va voir Rise and Sun. Peut-être qu'il nous filera de quoi s'envoler, si je puis me permettre. En plus, sa mission a l'air plutôt cool. Alors, j'espère juste, je prie pour que les commandes soient incroyables. Donc, c'est parti, on va prendre le truck. Vous savez qu'on est toujours mieux entre... D'ailleurs, encore une fois, personne n'a répondu à cette question. Et ça, c'est terrible. On dit truck ou trucks? Je ne sais pas. Il me semble que... Pas envie de dire n'importe quoi. On dit souvent un trucks américain. Mais bon, après, je peux peut-être me foirer, désolé. Je suis américain, mais à moitié. Ouais, j'ai un petit peu de sang... Canado, franco, israéliano... Espagnolo, turco, bien évidemment, islando, francophone, anglo-saxon. Donc, vous vous doutez bien que c'est un sacré mélange. On est parti, on va voir Rise and Sun. Et lui, je pense qu'il va littéralement... Toi, tu vas prendre ce que tu veux. Non, non, non. Si ça pète... Allez, voilà. Parce que si ça pétait en ma présence, je mourrais. J'ai déjà vécu ça. L'épisode précédent, c'était assez terrible. J'étais peut-être pas obligé de le tuer, par contre. Ok, c'était par ici. Ça, je m'en souviens, ça. Je m'en souviens. Ok. C'est par ici. Je sais pas ce qui se passe. Emparez-vous des camions citernes. Non, 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 non. Je vais aller sauver Rise and Sun. Ok. Il se passe quelque chose là-bas. Un dindon. Ils sont volatiles. Ils sont féroces, ceux-là. Ok. C'est par ici, je crois. Yes, c'est la piste d'atterrissage. C'est totalement par ici. Ok. Défi terminé. Dindon dépecé. 2 points de talent, c'est incroyable. Regardez cette fumée. La vitesse, par contre, c'est pas abusé, ça. Regardez la vitesse de la fumée. Un petit peu trop rapide. Ok. Lui, je le remets. Je leur mets ce qu'ils méritent, hein, tout ça. Je leur mets tout ce qu'ils méritent. Ok. Hop, ça brûle. Hein. Ça brûle très très vite. Hein. Ça rejoint les enfers. Hein. Hop, tu vas rejoindre Fufu, mon pote. Hein. J'en ai rien à foutre, moi, de vos conneries. Hein. Yo, mon frérot, ça va ou quoi? Désolé, j'étais occupé à t'aider, mon poteau, ça va? T'es en conflit? Je vois plus personne. Dans la merde, là. Allez, dis-moi tout! Putain, on est prisonniers! Je vais buter ce fils de pute de John Seed, ça va pas faire un pli. Vous avez vu ces cinglés piquer mon avion? Faut que je le retrouve! C'est notre seule chance de nous tirer! Je m'en chargerai bien, mais ma femme est sur le point d'accoucher. Je sais pas vraiment quoi faire. Sérieusement, sans cet avion, on est juste foutus! Pitié. Ma famille a besoin de votre aide. Désolé. Appelle Pascal! Faut que je maîtrise mes émotions. Je m'appelle Nick, au fait. Écoutez, je connais cet arrêt. Mon avion doit être au ranch de John Seed. C'est la seule autre piste assez longue pour lui dans le coin. Je sais, c'est beaucoup demandé, mais... J'ai pas le choix, partenaire. Ok, lui, m'intéresse. Ah! Tire d'aile, c'est fait. On va récupérer tout ça. Oh, il y a de la petite musique un petit peu funéraliste qu'on adore. Tiens, on va aller récupérer tout. On prend tout, les gars. Il n'y a jamais trop de choses. Oh, une publicité, j'adore les pubs. Je vous ai déjà dit que je vivais d'amour et de pub. Surtout sur YouTube, excellent, qu'est-ce qu'on adore. Oh là là. Nick! Recule! C'est quoi ça? C'est quoi? Waouh! Waouh! Mais Nick! Tu mets des pédales. Ah non, c'était une caisse de munitions. Ok. Ça,
ça c'est Far Cry Arcade, pas très intéressant. Nick frérot, je dois aller à 700 mètres. Damn. Heureusement il y a une voiture. Calmez-vous les vautours. Ok, ça en ramasse, ça en ramasse. Ça fait quelques dollars, regardez. C'est... Ouais, bon, c'est du 9 et 8 dollars, mais les gars, eh, ça fait 2-3 kebabs, hein, on adore. Ok, on y va, les gars, on va récupérer son avion. Il a l'air super loin, bougez pas. Ah ouais, t'es sur une autre piste d'atterrissage. Je sais pas du tout si la flèche peut m'y emmener. Ok, la flèche peut m'y emmener. Oh, j'aime bien cette musique. Na 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 na. Ouais, chantez avec moi tous ensemble, on adore. Quoi? Et cette sombrerie. Yo frérot! Allez, on bombarde. Hein. On bombarde, il a rien bougé. Waouh, ça tire à balles réelles. Hein. On fait attention, les mecs. Ça va, ça va. Waouh! Ok. Oh, mais putain de touristes! Ah, oh, c'est le Montana ici! Y'a pas de priorité, connard! Casse-toi! Non mais le gars il fait demi-tour plein dans le jeu. Aou! Ça va ou quoi? Vas-y on se casse, c'est bon il m'a saoulé hein. Lui c'est... Oh quoi? Je crois qu'il a explosé. Il a explosé, il est énervé. Ok vous êtes prêts? Ça c'est cadeau, c'est Bibi qui régale hein. America! Fuck yeah! Oh c'est tellement beau ça! En plein vol bordel de chiottes de balai à cul! Ok, on y est. On a un petit avant-poste par la même occasion. Les gars, écoutez-moi bien. Il est temps d'appeler un grand ami à moi. Un ami que je chéris, un ami que j'aime. Je parle bien évidemment de Boomer. Oh putain, j'ai hâte d'avoir un ours, sa mère, à côté de moi. Il va mettre des calottes de ses morts, ça va être terrible. Bon les gars, on a un avant-poste. On va se concentrer parce que je pense que ça va être intéressant d'utiliser, pourquoi pas, nos points de compétences. On a 5 000 $, c'est pas mal pour l'avenir. Ah, d'accord, les portes qui sont pas protégées par une carte. C'est énorme, je prends ça. Serrurier, donc on peut ouvrir les coffres et les portes, les gars. C'est juste dingue. T'es où, mon chien? Oh, mon Boomer, ça va? Dépêche. Oh, comment il bombarde. Waouh, il est inhumain! Ça va, mon Boomer? Frérot, un petit câlin? On se fait la bise? Non, c'est fini? Ok, d'accord, pourquoi pas. Je crois que Boomer il peut détecter à l'odeur. Hein. Ils sont des culs partout. Voilà, ça c'est Boomer. C'est un monstre. Hein. Ça dégage. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas mis des coups de perle. Viens, viens Boomer. J'ai pas envie que tu meurs mon frérot. Ok, bougez pas. Je confectionne très rapidement. Ok, bougez pas. Ça va partir en coup de perle. C'est pas dégueulasse pour un gars du projet. Vous avez entendu quelque chose, vous? Moi, j'ai rien vu, hein. T'as eu quelque chose, Boomer? Vous avez vu quelque chose, vous, les gars? Boomer? Toujours pas, hein? J'adore le Montana. Ok. Il y a mon frérot. Ok. Je suis hyper concentré, hein. Si je parle pas, c'est tout à fait normal. Ok. Peut-être passer par ici. Bon, ta famille, elle juge... Oh, désactiver l'alarme. Il reste 2 alarmes ici, hein. C'est un bon gros poste ici, hein. Ok. On va se concentrer, on va essayer de monter. Ce serait plutôt pas mal. D'accord, c'est pas mal du tout. C'est pas mal ça aussi. Mais sinon, ça c'est pas mal du tout ça. Ça c'est pas mal du tout. On est bien là. Hein. Putain, c'est magnifique. Hein.
Dieu m'a donné la foi. Ok, lui, on va le tenter. Oh, ça fait loin. Touché. Coulé. Il y a lui derrière, il y a son pote derrière qui m'inquiète un petit peu. On est vraiment dans le bon plan là. On est vraiment dans le bon plan. On va y aller doucement. Les gars, c'est énorme, je kiffe cette mission. Mais je kiffe ce jeu en fait, tout simplement. Putain, lui il fait peur. Dis-moi pas qu'il y a un hélico. Ok. Ok. On peut, ils peuvent plus activer, hein, il n'y a plus d'alarme. Hein. C'est bon ? Ça c'est fait. Bien joué mon boomer. Bien joué mon boomer. Bien joué mon boomer. Aucune alarme mon pote. Ça c'est bon. Je suis fier de toi mon Kray. Allez libérateur, ça c'est bon ça. Une nouvelle tenue, c'est cool. J'ai gagné un t-shirt totalement américain et des pantoufles. Je sais qu'on est loin d'en avoir fini, mais tes exploits redonnent un peu d'espoir et d'inspiration à la résistance. Les gens viennent me voir en masse pour proposer leur aide dans notre combat. Ce n'est plus qu'une question de temps, ne t'en fais pas. Nous allons nous débarrasser de John Seed et sauver Hudson. Mais je peux pas aller, je veux juste aller là-haut, les frères. Bah ouais, mais c'est chiant en fait, ok. Ils veulent pas, hein. Il voulait pas, c'est pas grave, je vais prendre mon temps, je vais pas montrer mon agacement. Ok, c'est pas mal ça. Oh, son avion il est là, putain, les mecs. Ok, on l'a fait ou pas? Allez, on l'a fait les gars. On était là pour ça à la base, j'ai peur hein. Je vous avoue que j'ai peur de ouf hein. Allez mon gars, comment on conduit? Oh là, oh là, oh là. Accélérer, c'est ralentir. Roulis à gauche. Ok. Ok, donc c'est pour ralentir. Ok, on va passer par ici. Génial, officier. Okay. Je viens d'entendre les cinglés se plaindre qu'un intrus avait piqué mon avion. Faut vous éloigner. Ok, c'est bon. Prenez la direction du nord. C'est bon, ça me paraît pas mal. J'ai l'air de... J'ai une gueule à maîtriser là ou pas, les gars? J'ai une gueule d'américain? J'ai l'air de maîtriser. Parce que... America! Mais j'ai besoin d'être sûr qu'ils l'ont pas trafiqué. On va lui faire passer 2-3 tests. Virez à gauche au crop circle et suivez la rivière au ras du sol. Les gars, c'est beau, première fois dans un Far Cry. C'est pas un hélicoptère, c'est pas un petit truc, c'est un avion les gars. Et ça c'est ouf, c'est la première les mecs. Ok, si je vois un petit silo, je m'en occupe. Ok. Je sais quoi le sens. Je crois que c'est comme ça. L'avion serait déjà parti en tonneau s'il y avait un problème. Bon, vous croyez que la secte a quand même des pilotes compétents? C'est pas mal. Si je stoppe l'accélérateur, je tombe. Ok, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Je peux me focus sur la visée. Oh la vache! J'aime! Quoi? Allez, les gars. Ok, ok, ça sert à rien de rester appuyé sur la barre d'espace. C'est une petite bicoque, ça, hein. S'introduire dans le rush de John et ressortir en un seul morceau, c'était vachement impressionnant. Les cinglés doivent être sur le cul. Oh putain, c'est inversé. Voilà, on fait ce qu'on appelle du rasmote, hein. On adore. J'ai peur, hein. J'ai peur. C'est bon, ça c'est pas mal, ça. Oh putain. Ils se pointent à votre porte comme ils ont fait avec moi et ils prennent tout ce qu'ils veulent. Ok, c'est pas mal. Je suis pas très fluide, hein. Tu sens le gars? Là, je vous avoue, je marque un peu le cuir tellement cher les fesses. J'ai la goutte au cul, les gars. On peut compter sur cet avion chez les rails. Oh, c'est beau ça!
Parce que ici c'est... America! Fuck yeah! Ok, tu vas me faire quoi après? Vous approchez d'un embranchement dans la rivière. Virez à droite. Ouais, tout le monde n'a pas la carrure pour protéger son toit. Et soit dit entre nous, je suis pas sûr de l'avoir. Je sais pas si vous avez des gamins, vous, mais franchement, l'idée que le mien puisse grandir sans son père, ça me fout les boules, putain. Et encore, le bébé est même pas là. Ok. Oh, la musique, elle est méga épique, les gars. Si je dois sacrifier mon toit en prenant la fuite pour protéger ma famille, moi, ça me va. Vous êtes pas d'accord? Oh, il est grave stylé, lui aussi, hein. Mais bon, j'ai boomer le frérot, les gars. C'est le chien de la veine, hein. C'est pas le sang de la veine, lui, c'est le chien de la veine, hein, boomer, hein. Oh, la musique est tellement stylée. Oh, tu me fais faire quoi là par contre, là, piloter l'avion de nuit? Ça va les gars, non? Je vais me cracher, je vais plus avoir d'essence, hein. Putain, l'avion, la musique pardon était stylée. La musique était vraiment stylée. N'empêche, ça me fait bien chier de devoir abandonner l'endroit où ma famille a trimé pendant plusieurs générations. On a gagné chaque mètre de ce terrain à la sueur de notre front. Et maintenant, je dois laisser un petit trou de balle et assez dégénéré. Quelle connerie! Je laisserai personne humilier les rails. Je te comprends, mon Nick. On va leur montrer de quel point on souffre. On va les baiser, mon pote. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour ta femme qu'on aime tous. Vous devez survoler un champ, mitrailler les cinglés qui s'y trouvent. Et si vous croisez une citerne de grâce, explosez-la. Allez, ça dégage, hein. Ça dégage très rapidement. Joseph empoisonne toute notre eau. Faites un tour au réservoir d'irrigation ou dans ce genre d'endroit et abattez-les. Oh merde, ça surchauffe. Ça surchauffe. Regardez-moi ça, wow, menace de l'aviation. Vous êtes le prochain coach Nixon. Merde, il était tellement cool. Je rappelle que j'ai jamais conduit d'avion de ma vie, frère. Et j'ai une maîtrise incroyable, hein. Ok, ça c'est pas mal. On va essayer le bombardement un petit peu là. Ça me plaît ça, putain. Ok, on va continuer toujours tout droit. Ok, vous êtes prêts? Allez, ça dégage. Je suis un monstre. Ok. Je peux pas aller plus vite, hein, les gars. Dommage, un petit peu lent, on va pas se mentir. Cet avion, en tout cas, est un petit peu lent. Mais je pense qu'on va pouvoir acheter d'autres avions qui, eux, peuvent bombarder beaucoup plus. Par contre, point hyper positif, c'est le creeping, c'est assez incroyable. Il n'y en a presque pas, les gars. Regardez, j'ai détruit d'ici. C'est ouf. J'ai même localisé un gars de 6 mois. Regardez comme c'est magnifique, non, c'est sublime. C'est magnifique. Là, c'est une belle vue qu'on propose. C'est la vue, ça c'est le Montana qu'on aime. Je vais vous montrer comment faire. Okay. Alignez la piste droit devant vous, tout en vous rapprochant progressivement du sol. Ok, on va aligner la piste, je connais bien. Ok, vous êtes prêts? Attention, petite secousse! Nickel. J'ai été monstrueux, les gars, j'ai été monstrueux! Comment ça arrête par contre? Ça va me faire peur, hein. En bout de piste, les gars, c'est ce qui me va faire le plus peur, je pense. Oh là là, mais cette musique! C'est épique cette mission! Comment je l'entends vu que j'ai pas le casque MDR? Rick, on est là, Rick! Ah, ah, ah! Pourquoi? C'est bon, les gars! Ah mon dieu! Ah mon dieu, j'y crois pas! Putain de merde, bravo! Vous êtes top, merci! Kim! Notre avion est revenu! Oui, je sais! Hé, hey, on le tourne dans l'autre sens! Allez, on y va! Je dois dire, c'est la première fois depuis longtemps que j'ai l'impression que la chance est vraiment de mon côté. Putain de taré. Kim, allez! Putain, dites-moi juste qu'ils ont rien bousillé. Vous savez, cet avion est dans la famille depuis 3 générations. Vous vous rendez compte? Kim, tu te dépêches? Oui, j'arrive! Ah, je vous jure, les femmes, des fois... Enfin, mon grand-père a dégoté cet engin juste après la guerre. Il était super fier. J'ai fait quelques modifications au fil du temps. Kim, tu veux bien te dépêcher ?
Quoi ? Ces enfoirés, ils nous lâcheront pas ! C'est merdeux. Écoutez, je me défends dans les airs, mais vous, vous êtes encore meilleurs au sol. Je les prends d'en haut et vous d'en bas. Vous en dites quoi, partenaire ? On y va ! Kim ! Sors pas d'ici jusqu'à mon retour ! Allez, c'est parti ! On va aider le frérot ! Il a l'air stylé, je l'aime bien, lui ! Il a une bonne bouille ! Je l'adore ! Lui et Boomer, c'est quand même le petit fire ! Ok, c'est parti, les gars ! On va essayer de se défendre comme on peut. Mais moi, je vais les pousser à fond ! Kim est à la maison ! Je vous fais confiance, hein ! Protégez-la ! Ok. Attendez. Yo ! Ça dégage. Je brûle, hein. Brûlez tous, je brûle tout. Hein. Oh, je crois que j'ai brûlé la baraque et ça, c'est pas ouf. Oh, je crois que j'ai brûlé la baraque et ça. Ça, c'est pas ouf, les gars. Ça, c'est pas ouf. Cadeau! Allez, ça dégage. Hein. J'ai arraché tout le monde. Hein. Boomer, c'est rien, mon pote. Hop, relève-toi, mon pote. Allez, Syrien. On y va, mon boum-boum. Les gars, j'ai pas de carnage avec ça. Ok. Info, s'il vous plaît. Ok. Je pense qu'il faut monter là-haut. Sécuriser le hangar. Il s'en occupe, Boomer. Allez, mon pote. Allez, mon boum-boum. Ok. Allez, mon boum-boum. Il parlait d'ici. Ok, c'est pas mal. Boum boum, boum boum, faut y aller. Ah. Oh putain. Boum boum, t'es où? Il a bugué. Oh, la mise en couverture, c'est pas mal ça. Je savais pas, putain. Ok. Lui, il aime les balles. Hein. Oh, oh, ce qu'il a pris, mec! Boomer, s'il te plaît, faut que tu fasses un truc. Attaque-le, lui. Je m'occupe du gars à droite. Ok, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Désolé, j'ai fait une bêtise. Je maîtrise plus rien. Ok, ça, c'est pas mal. Je m'en bats les couilles, hein. Je mourrai, hein. Je mourrai pour l'Amérique, hein. Ok, y en a d'autres. Ok. Oh, putain. Attendez. Quoi ? S'accrocher à la vie. Je m'accroche à la vie, les gars. Je m'accroche à la vie, putain. Mais qui peut venir me sauver ? Boomer ? Non, je m'accroche à la vie. Boomer! Je te kiffe, mon pote! Oh là là, Boomer, ce héros! Ce héros oublié! Allez, mon pote! Oh là là, Boomer, je le kiffe encore plus! Quoi? Quoi? Ok. Oh, ils vont prendre ce qu'ils méritent, toi. Oh ouais, ils ont déjà pris ce qu'ils méritent. Ok. Je crois qu'on est tranquille, partenaire. GG, les gars. Je redescends. Vous pourriez nous porter quelques sacs? Allez, les potes. Ça, c'est fait. On s'en va. Non. Non? Non. Allez. On est chez nous, ici. Non, mais Kim, t'as pas l'air de comprendre. Quoi? Je comprends pas quoi. Qu'ils viennent voler nos terres et qu'ils enlèvent nos amis et font encore d'autres horreurs, c'est ça? Kim. Nick, ton grand-père a tout construit ici. Tu veux vraiment tirer un trait sur tout ça? T'arrêtes pas de dire que t'espères que notre fille reprendra ton affaire.
J'ai parlé de transmettre mon affaire à un fils. Tu as vu l'échographie, c'est une fille. Mais c'était sur un vieil écran noir et blanc, c'est pas comme si on y voyait quelque chose. Nick. Je t'aime. Moi aussi. Bon, officier. Je crois que les rails ont décidé de vous aider. Hé, hey, écoutez. S'il vous faut un soutien et rien, surtout faites-moi signe. Hein. Tous les deux, on sera comme Bonnie and Clyde. Nick, ils meurent tous les deux à la fin. Non. Oh. Prenez bien soin de lui. Ils sont mignons comme tout cela. Oh là là! À tire d'aile! Mission complete! Et ça, c'est très très bon ça. J'ai Nick Cry avec Boomer dans mon équipe. Je te veux dans mon équipe. Et ça, c'est plutôt cool. Ok. Mais tous les pêcheurs doivent se confesser. Telle est la volonté du père. Mes hommes viennent te chercher. John a bien l'intention d'enfoncer ses crochets dans ta carcasse. Je sais que tu lui as déjà échappé in extremis la dernière fois, mais ne sous-estime pas ce salopard. Terminé. Désignation, nouvelle mission, ça va déchirer. Je pense que ça va être putain de violent, les gars. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. A très bientôt tout le monde, j'espère que cet épisode vous a plu. Ciao, ciao.